Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Ever After Eye. Et aujourd'hui, ce sera Bunny Blanc, la fille du lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. Donc comme vous le voyez, elle est déjà hors de sa boîte, puisque ça fait un petit moment déjà que je l'ai reçue. Je vais d'ailleurs vous montrer rapidement sa boîte. Alors, on retrouve dans le fond son prénom, Bunny Blanc. Ensuite, le petit texte habituel, le logo Netflix. Ici, on a une trompette avec le 10. Une petite montre à gousset. Le logo Ever After Eye. Bunny Blanc, fille du lapin blanc. Voilà, c'est écrit ici. Au dos, hop, j'ai fait tomber sa brosse. On retrouve le texte habituel, Ever After Eye, fais tes propres choix, histoire inclue à l'intérieur, l'artwork de Bunny, voilà, qui est super joli. Ici on a sa petite interview, donc dans plusieurs langues puisque c'est la boîte européenne. Et ici on a Alistair Wonderland, Faye Beltorn que vous pouvez retrouver sur ma chaîne en review, et Rosabella Beauty qui va arriver incessamment sous peu. Donc sur le côté, comme d'habitude, Ever After Eye, blablabli, blablabla. On va passer rapidement. Donc à l'intérieur, on retrouve son petit marque-page. Voilà. Donc avec son histoire en français. Qui est ici. Voilà. Tout vient à point à qui c'est attendre. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Je vous invite à acheter la poupée pour découvrir sa petite histoire à l'intérieur. Et à l'intérieur aussi de la boîte, on a donc sa petite brosse, voilà, de couleur dorée, et le socle de la poupée qui est lui aussi doré. Alors Bunny est donc issu du pays des merveilles, donc comme toutes les poupées Ever After Eye issues du pays des merveilles, elle a une petite taille, comme on peut le voir à côté de Darling ou de Alistair. Donc ça c'est assez appréciable puisque j'adore les poupées de petite taille. Alors la mienne n'est pas une réédition, donc du coup elle a tous ses accessoires, puisque dans la réédition on ne retrouve pas ce petit col avec la petite cravate. Les gants sont tout noirs je crois, enfin il n'y a pas les petites manchettes blanches. Et le pompon à l'arrière des chaussures est noir aussi il me semble, enfin je crois, je suis pas très sûr. En même temps j'en ai pas vu beaucoup. Donc du coup, ben alors, la petite Bunny, elle a une coupe au carré avec les cheveux blond platine, que j'ai relavé parce qu'elle était pleine de lac. Donc voilà, j'aimerais lui refaire sa coupe pour qu'elle soit encore plus proche du dessin animé. Mais pour le moment, elle me convient très bien comme ceci. Elle a un serre-tête avec des oreilles de lapin, juste trop mignon, avec un petit chapeau et une petite montre à gousset sur le devant. Ses boucles d'oreilles, hop, alors ce sont des carottes. Voilà. Mignon, on a trois carottes. Son make-up, alors il est mauve, elle a les yeux bleus et des lèvres roses. Au niveau de ses accessoires, elle a un petit col noir avec une petite cravate rose, sur un gilet donc avec de la fourrure blanche, un petit gilet, je sais pas comment ça s'appelle, un petit gilet, voilà, tout simple, gris foncé, qui n'est pas rattaché à la jupe. Donc sa jupe, elle, est verte, couleur vert, vermante un peu, menthe à l'eau, avec plein de petites montres. Voilà, toujours en rappel à son papa. Le bas de la jupe est tout froissé, enfin, plein de petites, je sais pas comment on appelle ça, des petits plis, voilà. Avec des petits motifs roses et noirs, un peu à carreaux. Elle a un petit sac en forme de montre à gousset, qui est super sympa. Au niveau de ses mains, eh bien, elle a des gants noirs avec des petites manchettes blanches. Alors de chaque côté, les manchettes sont différentes car ici, on a comme une montre. Je ne sais pas si vous verrez bien. Là, on a une montre ici sur cette manchette et pas sur celle-là. Ses chaussures sont des bottes. Donc elles sont blanches avec plein de petits boutons noirs sur le côté. Hop, l'arrière de ses chaussures, on retrouve un petit pompon. Voilà, une petite queue de lapin. Et le talon, en fait, c'est un sablier. Donc c'est super stylé, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Donc voilà, et le bas de ses talons, c'est surtout des ornementations, des petits dessins, des petits... Voilà, il n'y a rien de bien prédéfini.
Donc voilà pour la magnifique Bunny Blanc que je trouve super jolie. Alors on a un pack qui est sorti récemment avec le couple Bunny et Alistair, qui est pas mal je trouve. J'aime beaucoup la tenue d'Alistair dans ce pack et sa coiffure, mais je suis pas trop fan de Bunny, donc je suis bien content d'avoir celle-ci. Alors pour info, je l'ai eu sur Amazon.fr pour 15€ je crois, enfin 14€ et des broutilles. Donc j'en ai profité parce que c'était vraiment pas cher. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur le site puisque peut-être qu'elle y sera de nouveau à ce prix-là. En ce moment, elle est à 7€ sur Toys R Us. Donc pour ce prix-là, c'est franchement à ne pas hésiter, quoi. Je pense même en reprendre une pour, parce qu'elle a un corps tout petit. Et j'aimerais bien du coup avoir le même corps pour Draculaura puisque dans le dessin animé Monster High, Draculaura est plus petite que les autres. Donc je pensais à faire ce petit changement. Enfin bref, on verra plus tard. Ça, c'est une autre histoire. Ma review est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut, salut !